Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 19 ans. J'ai effectué un CAP constructeur en canalisation et un CAP conducteur d'engin. Ensuite, j'ai obtenu mon titre pro de TPMCI, ce que j'ai effectué en un an, une semaine en centre de formation et le reste du temps dans l'entreprise. J'ai pu obtenir mes CACES ainsi que l'habilitation électrique BSBE. Depuis, je suis employé en CDI dans l'entreprise sur le site de Charensues-en-Isère. Qu'est-ce qu'un opérateur de centrale ou centraliste? C'est la personne qui est en charge de la fabrication du béton, mais pas que. On retrouve beaucoup d'autres activités à côté. De quoi est composé le béton? La composition du béton est très simple. C'est du sable, des cailloux, de l'eau et du ciment. Il existe plus de 1000 formules béton. On peut faire du béton technique, décoratif ou encore écologique. On travaille aussi bien avec des clients particuliers, et des professionnels ou même des grandes entreprises. En quoi consiste ta journée? Quand j'arrive sur le site, j'effectue une mise en route de la centrale pour débuter la production. J'allume le compresseur, j'ouvre l'eau, j'en profite pour faire chauffer les engins ainsi que le malaxeur et je vérifie s'il n'y a pas de problème visuel sur la centrale. Ensuite, je dois m'occuper du téléphone pour les prises de commandes clients. Je gère le planning de livraison de mes chauffeurs et je leur donne les consignes de livraison. Il est important de s'assurer de livrer les clients à l'heure, mais également de gérer les approvisionnements de matières premières. Ma journée n'est pas uniquement derrière mon poste de pilotage. Elle se passe aussi en extérieur, avec la surveillance et l'entretien de mon installation. On a de la conduite d'engin avec le chargeur pour manipuler les granulats et le chariot élévateur pour manipuler les blocs béton. En fin de journée, on a la partie nettoyage du malaxeur et de la piste de la centrale. Pour finir, je prends un moment pour remplir les papiers comme les bons de réception de matériaux. Y a-t-il des points de vigilance dans ton métier? Le premier point est la sécurité. Il faut porter en permanence ses équipements de protection individuelle sur le site et je dois veiller au bon comportement de mon équipe. Ensuite, on a le point environnemental. On apporte une attention particulière sur la gestion des déchets et des retours béton qui sont recyclés ou transformés en blocs béton. On peut parler du point qualité. On doit produire des bétons résistants et conformes à la norme NFEN 206 pour satisfaire notre client. Enfin, il y a la réglementation du transport. C'est tout simplement bien organiser la journée des chauffeurs. Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier? Selon moi, pour être centraliste, il faut être organisé, avoir un bon relationnel avec les clients et les fournisseurs afin de les orienter au mieux, être autonome, être réactif car la journée est très rythmée et aimer le travail d'équipe. Qu'est-ce qu'il te plaît dans ton métier? Ce que j'aime dans mon métier, c'est que chaque journée est différente et que mes missions sont très variées. J'aime le relationnel avec mes chauffeurs et mes clients afin que tout le monde soit satisfait. Nous remercions Benoît pour son témoignage. Ce métier vous intéresse? Postulez dès maintenant. recrutement@betonalyon.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous au 04 78 48 58 48.